Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette semaine, nous allons parler des valeurs du royaume. On va avoir plusieurs valeurs du royaume. Je crois que vous allez être fortement encouragés. Et c'est une grâce pour moi, une joie de recevoir notre amie Audrey Mac. Bienvenue Audrey encore. C'est bien d'être ici avec toi encore. Prière Inspirée. Amen. Pour la au moins troisième fois, hein, Prière Inspirée. Quatrième peut-être. Quatrième peut-être, oui. C'est ça, on a pas mal de témoignages qu'on reçoit régulièrement. Gwen le disait hors émission, mais moi aussi, dans plusieurs conférences où je vais, on parle souvent des fruits qui ont découlé de ton ministère à MCI TV. Alors, on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Beaucoup de gens ont été baptisés du Saint-Esprit, guéris de plusieurs maladies. On est fortifiés dans leur foi. On est vraiment reconnaissant pour l'onction que le Seigneur a déposée dans ta vie. Oh, c'est bien d'être ici avec vous. Merci hein, pour... C'est une grâce. Pour cette chaîne, c'est une bénédiction. Amen, amen. Mm. Ouais, vraiment, une bénédiction pour le corps de Christ. Et pendant cette semaine, alors vous allez être défié peut-être, encouragé, peut-être voir les choses un peu différemment de ce que vous avez cru jusqu'ici. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Mm-hmm. Et tout à l'heure, en feuilletant ma Bible, je tombais sur ce passage de Ésaïe 66 qui nous dit, c'est Dieu qui parle, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu ou encore l'esprit contrit, qui tremble à ma parole. » Et c'est encourageant parce que plusieurs d'entre vous, vous avez des difficultés, vous passez par des difficultés en ce moment. Mais ici, on a vraiment une promesse, le Seigneur va porter ses regards sur ceux qui marchent dans l'humilité. Vraiment. Et on va voir aujourd'hui avec toi, Audrey, un peu ce que c'est l'humilité, comment on peut devenir humble peut-être. Ben déjà, de savoir qu'est-ce que c'est d'être de l'humilité. Et je crois que c'est une des choses qu'on doit adresser parce qu'il y a une fausse idée dans l'Église. Je dis l'Église avec un grand E. Une tellement fausse idée de ce qu'est l'humilité. On a l'impression que être humble, c'est quelqu'un qui se dénigre, qui se critique, qui se rabaisse tout le temps, qui ne reçoit jamais, qui ne veut jamais recevoir de compliments. Et ça, c'est en fin de compte, c'est une fausse humilité. Quand on regarde dans la Bible, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est pas de se rabaisser tout le temps et de se critiquer tout le temps en se disant non, je vaux rien du tout, je suis moins que rien. C'est pas ça l'humilité. Mais l'humilité, c'est vraiment de se voir au travers des yeux de Dieu. C'est de pas se voir plus haut ni plus bas, mais d'accepter ce que Dieu dit à notre sujet et de se voir au travers des yeux de Dieu. C'est-à-dire que vraiment d'être humble, c'est de dire Dieu, si tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, alors je le crois et je suis la justice de Dieu. Dans certains milieux, si quelqu'un dit « Oh, je suis la justice de Dieu », on va le regarder en disant « Ah, tu es arrogant, tu es… » Non, non, c'est être humble, c'est d'accepter ce que Dieu dit à notre sujet. Par exemple, c'est intéressant, Jérémie, de voir dans Nombre 12, verset 3, c'est Moïse qui a écrit… C'est le Pentateuque, c'est lui qui a écrit ces passages. Et qu'est-ce que ça nous montre dans Nombre 12, verset 3, il dit « Or, Moïse était un homme très, très humble. Il n'y avait pas un homme plus humble que lui sur toute la terre. » Et c'est lui qui a écrit ça. Aujourd'hui, si dans l'église, quelqu'un qui disait « Oui, je suis l'homme le plus humble sur la terre », on lui taperait dessus en disant « Oh, tu es arrogant, tu es plein de fierté. » Oui, si c'est pas la vérité, mais si c'est la vérité, de croire ce que la Bible dit à notre sujet, c'est l'humilité en fin de compte. Tu disais que être humble, c'est quelqu'un qui craint devant la parole de Dieu. Que c'est ça en fin de compte, être humble, c'est d'accepter la parole, ce qu'elle dit à notre sujet, et ce que la parole nous dit de faire. C'est-à-dire qu'on met la parole, on honore la parole avant notre opinion, on honore la parole avant notre décision, on met la parole et le Saint-Esprit avant toute chose, surtout même et surtout si c'est contraire à notre propre opinion ou à notre propre choix ou décision. Amen. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'abord se soumettre à la parole. Comme tu as vu ce verset, par exemple, Proverbe 2:4 dit « L'homme humble se soumet au Seigneur ». Et le Seigneur, la parole nous dit dans Jean 1:1, et la parole, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus était la parole faite chair. Et souvent on dit « Oh oui, moi je me soumets à Dieu », mais on ne se soumet pas à la parole. Là, il y a une contradiction. Si on veut se soumettre à Dieu,
on doit se soumettre à la parole. Exemple, si la parole nous dit de payer nos dîmes et que la parole dit non, moi je ne crois pas à la dîme, ben, vous ne marchez pas en humilité si vous ne vous soumettez pas à cette parole. Tu vois ce que je veux dire? Être dans l'humilité, c'est faire confiance au Seigneur. Quand il te dit de faire quelque chose, ou par exemple, si souvent des personnes qui sont dans le souci, dans la peur, la crainte, les soucis, ils ont l'impression qu'ils marchent en humilité quand ils se font du souci. Parce qu'ils disent, oh ben moi, je vais m'en occuper, moi je suis une personne responsable. La Bible nous montre qu'en fin de compte, quelqu'un qui se fait du souci, c'est quelqu'un qui marche dans l'orgueil. Parce que dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et dans le même verset, ça dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de lui. » Je vois que c'est important qu'une personne qui est dans l'humilité, c'est une personne qui se voit comme Dieu les voit, qui accepte ce que la parole dit à son sujet. Si la parole dit « tu es la justice de Dieu », si la parole dit « tu es saint », si la parole dit « tu es parfait en Jésus-Christ », si la parole dit « tu es puissant en Jésus-Christ », eh bien, d'accepter ces vérités, c'est dit « je suis humble ». Et de marcher dans ces vérités, c'est un signe d'humilité. Si la parole nous dit de faire quelque chose, quand on accepte et qu'on on se soumet à cette parole, on fait preuve d'humilité. Mais aussi, si on choisit de se décharger de tous nos soucis, de tous nos tracas, et qu'on fait confiance à Dieu, on fait preuve aussi d'humilité. Ce qui est en fin de compte complètement contraire à ce que la plupart des gens pensent quand ils pensent de l'humilité à l'humilité. Ils pensent que l'humilité, c'est se taper dessus, se marcher avec la tête baissée, c'est se jamais vouloir accepter des compliments. Comme par exemple, c'est quelque chose qui me fait rire, c'est quelqu'un qui chante, et puis quelqu'un qui va derrière, qui dit après, qui dit « Oh, tu as une voix formidable », dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est le Seigneur ». Non, c'est toi qui chantes. C'est Dieu qui t'a donné ce don, mais c'est toi qui chantes. Simplement de dire « Oh non, non, c'est pas moi », c'est une fausse humilité. Quelqu'un qui est humble, ben, il reconnaît « Ben oui, merci, je te remercie de ton compliment, mais je te remercie Seigneur ». On redonne le compliment au Seigneur en disant « Seigneur, je te remercie, c'est toi qui m'as donné ce don ». C'est ça une personne humble. Et donc c'est intéressant de commencer à se voir comme Dieu nous voit et d'accepter ce que Dieu dit à notre sujet et de lui faire confiance en toutes choses et d'accepter ce que la parole nous dit de faire. Et finalement, je crois que c'est là où vraiment on doit focaliser. L'humilité, c'est d'élever, c'est pas de se rabaisser comme la plupart des gens pensent. Je vais me rabaisser, je vais me dénigrer, je vais me critiquer toujours, je vais jamais accepter de compliments. Non, non, c'est pas ça l'humilité. Mais l'humilité, c'est d'élever les autres. On n'a pas besoin de se rabaisser, mais on élève les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans Philippiens 2, versets 3 et 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère les intérêts des autres. » Ça veut dire que vraiment, quand on marche en humilité, ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse dans le sens qu'on se critique, mais qu'on se voit comme Dieu nous voit. On a de la valeur. Comme la Bible nous dit que Jésus, lui, qui était Dieu, en fin de compte, il a choisi de nous voir plus importants. C'est-à-dire qu'il est allé à la croix en disant, ben, la race humaine est plus importante que moi. Oui, je suis Dieu, mais je ne vois pas ça comme quelque chose qui est à considérer, mais je considère l'intérêt, ton intérêt, mon intérêt. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Donc, pour nous, ça veut dire que marcher en humilité, ça veut dire que on met les intérêts des autres, la valeur des autres, plus que la nôtre. La Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux,
qui donne sa grâce aux humbles. Et peut-être que parmi ceux qui écoutent, plusieurs vivent comme une forme de résistance. Des fois, on essaie on veut faire un métier ou quelque chose et on essaie, on voit que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et des fois, c'est parce qu'on n'a pas vraiment remis cette chose-là au Seigneur. On a vraiment notre pensée, notre idée. Et dans Proverbes au chapitre 3, Dieu nous encourage à remettre au pied du Seigneur, voilà, toute chose, à reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Mm-hmm. Et une façon de reconnaître, de mettre ça au pied du Seigneur, c'est de lui en parler et d'être prêt, disposé à tout lui laisser, quoi. S'il nous appelle là et qu'on est en train d'aller là. C'est ce dont parlait de l'humilité, c'est de se soumettre à la parole et à la volonté de Dieu. Et Dieu, il est la parole et il est le Saint-Esprit. Et donc, c'est au travers de la parole, si Dieu te montre quelque chose, ou, comme tu disais, si par exemple, tu as les idées fixées sur ton boulot ou sur la personne avec qui tu veux te marier, ou bref, on remplit la case vide, on a notre idée, notre volonté, notre choix. Et de refuser, si le Saint-Esprit te dit non, je veux que tu fasses ceci, ou la parole te montre autre chose, ou tu ressens dans ton cœur que tu dois, que c'est pas la volonté de Dieu, quelqu'un qui est humble dit non seulement je remets ma volonté entre les mains de Dieu, mais je vais faire ce que Dieu me dit de faire, même si ça va contre ce que je veux faire. Ça veut dire que l'humilité, on met le grand je, le grand moi, le grand... moi-même, on le met sur l'autel, et on dit, c'est comme Jésus a dit dans le jardin de Gethsémané, il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Il dit que c'est une coupe qui peut, si tu peux le faire autrement, que ce soit fait, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et c'est ça, l'humilité, c'est de chercher la volonté de Dieu avant la nôtre. On a besoin de la volonté des autres, ou je veux dire la valeur des autres avant la nôtre. On en a besoin. On en a tous besoin. C'est-à-dire qu'on se remet en question, on doit se remettre en question tous les jours et tout le temps. Pour qu'il puisse diriger notre vie, nos agendas parfois très chargés. On lui laisse le moins bon ou le reste de nos finances aussi des fois. Tu parlais de la dîme tout à l'heure. Des fois, on laisse à Dieu le reste, quoi. Oui. Et c'est une preuve d'orgueil aussi de lui donner juste le reste. C'est nous d'abord et après, c'est lui. Et je prie qu'aujourd'hui, pendant le temps de prière, on puisse vraiment le reconnaître, reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies et aspirer à cette humilité aussi. Je crois que ça doit se manifester de plus en plus. On commence à vouloir. C'est une des plus grandes, je crois. On a commencé les valeurs du royaume. Je crois que c'est la valeur la plus importante parce que c'est là où on découvre notre besoin de Dieu, qu'on ne peut pas faire tout par nous-mêmes, qu'on est on est un petit grain de sable, même si Dieu nous a créés en son image, à sa ressemblance, on a un besoin, un tel besoin de tout remettre dans les mains de Dieu, d'être dépendant, complètement dépendant de Dieu. Et ça commence avec une décision. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui est faible, que celui qui est humble, c'est celui-là qui verra le royaume de Dieu. Ouais, c'est ça, j'allais le lire justement. Ouais. Il dit « Heureux les pauvres en esprit ou les humbles en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est grand. Je crois que c'est la fondation du royaume de Dieu. C'est comme ça qu'il commence, effectivement. C'est comme ça que le royaume de Dieu doit commencer. Si la première valeur du royaume de Dieu, c'est de désirer « Seigneur, je veux être humble ». Et enseigne-moi, montre-moi. On a parlé de certaines choses qui montrent l'humilité dans notre vie. Ça montre si on est une personne humble. Et on peut se remettre en question. Et avant qu'on ait fait l'émission, on était en train de prier, toi et moi, Jérémy. Et j'ai commencé, j'ai eu comme une prière en langue. Et après, j'ai vu cette interprétation. Et comme je parlais de fausses herbes qui étaient arrachées. Et afin que nos cœurs soient fertiles, que nos cœurs puissent recevoir cette vérité, que notre cœur puisse être dans l'humilité, on va devoir être disposé à ce que Dieu arrache certaines fausses herbes, certains faux concepts, le grand je, le grand moi, qu'on doit arracher ces fausses herbes, qu'on puisse devenir humble, afin que la parole de Dieu, la vérité, la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen. Ouais. Dieu veut enlever les mauvaises herbes. Il veut nous aider à le faire aussi. Et je pense vraiment que
c'est important que, alors qu'on va prier, il y a certaines personnes qui vont nous écouter, qui nous regardent et qui vont... Tout d'un coup, vous allez entendre le Saint-Esprit, elle va commencer à vous parler et à leur parler, à leur montrer et à remettre des choses en question. Parce qu'il y a des choses, comme tu as dit, que peut-être ça revient toujours et puis on s'en débarrasse. On devient tellement occupé qu'on oublie ces choses. C'est pendant ces moments de prière, le Saint-Esprit va vous rappeler ces choses, à laquelle, les choses qu'il vous a parlé, des choses qu'il vous a demandé de vous débarrasser, des choses de remettre des priorités, des choses qu'il vous a demandé de faire, des choses qu'il vous a demandé d'abandonner. Et ces choses-là, pendant la prière, Dieu va vous les rappeler. Il va vous rappeler ces choses, vous remontrer. Et ça va être un moment puissant où... Alors qu'on va prier, de remettre ces choses en disant « Seigneur, oui, je suis disposée à remettre les choses en ordre. Je suis disposée à me débarrasser de certaines choses. Je suis disposée à mettre ta volonté avant la mienne. Je suis disposée à rechercher à être une personne humble. » Je ressens aussi que plusieurs personnes qui sont dans le service pour Dieu, alors qu'on va prier, Dieu veut... C'est lui que nous servons et c'est important de ne pas servir Dieu à notre façon de faire ce qu'on a appris, ce qu'on a toujours vu. Et je crois que plusieurs personnes ont vraiment besoin de demander au Seigneur que ce soit lui qui gère, qui dirige, que ce soit l'Église ou le ministère, le service que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur. Parce que des fois, on est aussi on a tellement notre pensée par rapport, il faut servir Dieu comme ça, il faut que le culte se passe comme ça, il faut que le message comme ça, et ça nous amène aussi parfois à juger les autres. Mais je prie qu'aujourd'hui, vraiment, cette humilité puisse devenir de plus en plus grande à l'intérieur de nous. On va passer un temps à prier, alors que la présence de Dieu est là. Le Seigneur veut agir dans nos cœurs, veut vraiment revêtir ce cœur d'humilité. Père, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. On veut vraiment s'humilier sous ta puissante main. Ta parole déclare que tu viens résister aux orgueilleux. Père, je prie pour toutes les fois où tu es venu résister par amour. Tu résistes à l'orgueilleux parce que tu sais que la voie qu'il est en train de suivre n'est pas la bonne. Je veux prier pour mes frères, mes sœurs, pour lesquels en ce moment tu es en train de résister dans leur vie, à leurs projets, à ce qu'ils font. Et des fois, certaines personnes sont en train de faire la bonne chose, mais avec de mauvaises dispositions. Et tu veux les sanctifier. Ils ont à cœur, ils ont compris ce que tu veux faire en partie, mais les dispositions ne sont pas bonnes. Et tu veux les sanctifier, que ce soit tes motivations, tes dispositions en eux, parce que ce qui arrive est très grand. Et s'ils ont ces dispositions, ça explosera. Père, je prie, tu puisses trouver dans leur cœur l'humilité. Je prie qu'ils comprennent ce par quoi ils passent, qu'ils comprennent que cette résistance, cette opposition, elle n'est pas satanique. Mais viens de toi pour que tu puisses nous transformer. Oui, Seigneur Jésus-Christ, on veut aujourd'hui s'humilier. On ne sait pas tout, on n'a pas encore connu comme on doit connaître. On aspire. On aspire à ce que tu prennes le contrôle, la direction totale. Jésus-Christ. Seigneur, nous avons découvert aujourd'hui que être orgueilleux, ce n'est pas simplement se vanter et de s'enfler, mais c'est de résister à ta volonté, c'est de résister à ta parole, c'est de résister au mouvement de l'Esprit dans notre vie. Alors je prie au nom de Jésus, pour chaque personne qui nous écoute, qui nous regarde, que le Saint-Esprit va pouvoir souffler sur leur vie et que leur cœur va s'humilier devant toi, qu'ils vont fléchir le genou en se disant, Seigneur, oui, je désire
faire ta volonté. Je désire écouter le Saint-Esprit. Je désire me soumettre à la volonté de ta parole. Ce que tu... Et Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, que tu souffles dans le cœur. C'est toi, Saint-Esprit, qui fais une œuvre dans leur cœur pour révéler la vérité, qu'ils se voient au travers de tes yeux. Qu'ils se voient, Seigneur, qu'ils se voient, qu'ils voient les domaines de leur vie où peut-être avec intention ou dans l'ignorance qu'ils t'ont résisté, Seigneur, qu'ils ont fait leur propre volonté, qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et Seigneur, je te remercie pour les yeux spirituels qui s'ouvrent, que leurs oreilles spirituelles sont à l'écoute de ton esprit, qu'ils puissent voir, Seigneur, combien ils t'ont résisté, qu'ils puissent, avec un cœur, que par ton esprit, leur cœur s'humilie devant toi, se radoucit devant toi. Oh Seigneur, je te remercie pour ton œuvre dans leur cœur, qu'ils puissent voir, Seigneur, et recevoir, Seigneur. Oh, korabaha shende leveshede. Oh, to reveshtide koroboshtede. Qui dit, je vois qu'il y a même, j'étais presque dans ce que j'ai partagé, je n'y avais pas pensé, mais c'est sorti de ma bouche que quand on refuse de donner, refuse de payer nos dîmes, refuse de partager ce que Dieu nous a donné, qu'on refuse de donner des offrandes et de payer nos dîmes, que... ça m'est sorti de la bouche et je vois maintenant qu'il y a quelqu'un, il y a une personne ou plusieurs personnes, vous avez résisté à l'Esprit de Dieu, vous avez dans votre orgueil refusé de payer votre dîme en disant « oui, ça c'est la loi, non, je ne veux pas donner, non, je n'ai pas besoin » et vous avez résisté l'Esprit de Dieu qui veut vous bénir, qui veut vous prospérer, qui veut... Oh, vous donnez ce dont vous avez besoin, qui veut, mais vous avez résisté, même à cet esprit qui veut vous bénir. Et le Saint-Esprit, maintenant, vous ouvre les yeux et dit, arrête de résister, car c'est moi qui te parle, c'est moi qui te parle. Car c'est le Saint-Esprit qui veut te bénir et qui t'amène et qui essaie de te montrer combien Dieu veut prospérer ta famille. Mais tu lui as résisté. Soumets-toi afin que Dieu puisse te bénir. Arrête de résister. Oui. Oh Rabba Shede de qui est soroshtode. Alléluia. Un pasteur qui écoute cette émission maintenant et ton ministère a été fondé sur un mensonge. Un mensonge qui vient de l'orgueil. Et ça vient avec un esprit de contrôle. Et le Seigneur t'appelle maintenant à t'humilier, à te repentir de ce mensonge que tu as accepté et qui t'a amené à gérer le ministère comme si c'était une entreprise, comme si c'était ton entreprise. Et le Saint-Esprit veut guérir l'Église, guérir ton ministère, guérir ta vie, le ministère qu'il t'a confié. Là, je veux prier pour cette personne et toutes les personnes aussi qui ont une vie semblable ou une expérience semblable. Père, tu veux te manifester à travers les hommes. Ta parole déclare que c'est toi qui as fait des dons aux hommes. Et tu as dit au prophète Jérémie lorsqu'il était encore un enfant et qu'il disait « Je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Tu lui as dit « Ne dis pas, je suis un enfant. » Et Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont cru des mensonges. Ces ministres, ces pasteurs qui gèrent les choses d'une façon toute humaine. À la fois, ils ont envie que tu souffles à travers eux. Ils ont soif, mais à la fois, ils contrôlent. Oui. Ils ont peur.
Ils ont peur que quelqu'un dans l'assemblée soit plus zélé qu'eux, que quelqu'un ait plus de prophétie, plus de puissance. Alors ils contrôlent les autres. Père, je veux briser cet esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de contrôle dans la vie de ces ministres de l'Évangile. Car tu veux souffler en eux, dans leur vie. Et je te glorifie, précieux Père, alors que pendant qu'ils vont s'humilier maintenant et te demander pardon, tu vas amener un rafraîchissement spirituel dans leur ministère. Ministère de Christ en eux. Je te glorifie, Seigneur. Merci parce que l'amour n'a pas peur. Alléluia. Je vois que ça, cette parole aussi n'est pas seulement que pour les ministres. Je vois aussi des maris. Je vois des maris qui pensent qu'avoir une autorité en famille et dans le couple, c'est contrôler. C'est tout contrôler. Contrôler la femme, contrôler les enfants. Et je prie pour vous maintenant. Je prie que vous soyez libérés de cet esprit de contrôle et que vous soyez soumis sous la main, la bonne main du Père, que vous vous soumettiez sous sa main et que c'est sous le contrôle et sous la soumission du Saint-Esprit que vous allez devenir un bon mari, un bon père. Quelqu'un qui ne va pas contrôler la famille et contrôler le couple, mais qui va aimer sa femme, aimer ses enfants. Je prie pour vous que vous ayez une révélation, et que vous acceptiez de vous soumettre, d'être libre de cet aspect de contrôle, et que vous vous soumettiez sous la main de Dieu. Oh, Rabbayana Kashedede. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions pour un esprit de révélation et de sagesse en ta connaissance, que c'est toi, Seigneur, qui nous révèle ce qu'est l'humilité, la vraie humilité, que cette fausse humilité, cet esprit religieux et de fausse humilité soit brisé sur le corps du Christ et que ta révélation, que ce qu'est l'humilité en toi, Seigneur, nous soit révélé et que nous puissions être libres et marcher en humilité. Car tu as dit, quiconque s'humilie, moi, je vais les élever. Tu désires nous élever dans ta justice, tu désires nous élever dans ton royaume. Alors, Seigneur, je prie que toute personne ici qui entend et qui écoute reçoive cette révélation et choisissent de s'humilier pour être élevés par l'Esprit de Dieu et par le Père, au nom de Jésus. Amen.